Et salut à tous, bienvenue dans la suite de notre let's play sur Orion, l'héritage des Koryodan. On est toujours coincé dans la forteresse. Nikki, notre ami, vient de mourir en se sacrifiant pour nous sauver et nous apprendre de nouvelles techniques, à savoir les fusions d'Orion. Et on lui a promis de mener notre mission à bien. Allez, sans plus attendre, on y retourne. Qu'est-ce que c'était? Laquelle vibre? Elle semble réagir à quelque chose dans le sanctuaire. Regarde Enzo. C'est de l'umoja très ancien. Sans doute ça a été construit par les griots avant l'invasion des Karou. On dirait que ça veut communiquer avec notre Kalou. En effet. Toi, ton cas possède la lumière des griots, mais nous voyons aussi la guerre et du sang, beaucoup de sang. Vous êtes les ancêtres des Niki. Nous voulons atteindre la forteresse pour sauver vos descendants. La lumière ici est faible, pervertie par des siècles de noirceur. Nous ne pouvons pas contrôler à partir du voile. Que devons-nous faire pour lever la barrière? Nous ressentons les sources. Ici, des pièges pour l'esprit. Ici, des épreuves de courage. Ce sont les sources. Pour que la lumière revienne. Ok. Réactiver les deux sources en suivant chaque route du croisement. Bon. Allez, c'est parti. Aïe. On a pris 200 bêtements là. On a peut-être des... Quand même, dans notre inventaire. Voilà, on va faire ça. Ok, là on est bien. Au fait, nutrition, trésor. Ouais, on a des choses. Allez. On est passé à 15. Voilà, ça c'est cool. Scénario, inventaire, équipement. Est-ce qu'on a des nouvelles choses? Plastron de marin. Ouais, on va prendre ça. Un bracelet. Non, rien d'intéressant, les jambes. Non plus. Là, on n'a pas. Et pour Erin. Non, on n'a rien eu non plus. Bon, on va rester comme ça. C'est quoi ça? Rien ne se passe. L'interrupteur qui l'active doit être celui au fond de la pièce. Ok. Ah, là il y a une Kalou. Cool. On va prendre. Feuille de baobab, racine de nîmes, décoction d'ananas, cola et au coq. On va activer ça. On dirait que ça active tout le système. Bah oui. Alors ça va sûrement faire apparaître des monstres. Les anciennes griots nous disent quelque chose dans la Kalou. Avec ma mauvaise mémoire, mieux vaudrait que je note les réactions des interrupteurs. Touche les interrupteurs au sol dans le bon ordre. Il faut activer toutes les Kalou au mur. Ok, allons-y. Alors, Pylon Shakai. Pour atteindre l'interrupteur principal, il faudra au préalable ouvrir le passage en faisant bouger les trois pylônes horizontaux.
Pour cela, manipulez les socles dans un ordre précis, sachant qu'ils changent de couleur à chaque fois que vous les activez. En fonction des couleurs, ils bougent un nombre déterminé de pylônes. Ok. Pourquoi pas ça après. Oh. Le bleu après. Non. Mauvaise idée. Tu veux que je retienne les mouvements des barres pour toi? Non. Ok, on est revenu au point de départ. Alors on va faire ça. Là, ça n'a rien fait. Ok. Ok, celui du bas, ça c'est bon. Jamais y arriver. J'ai toujours été hyper nul sur ce genre de truc. Ok, ça c'est fait. Ah oui, s'il te plaît. Barre du rose 1, barre du milieu sera 2 et 3. Ok. Bon, on va tenter de persévérer. Il nous en manque qu'un, hein, sérieux. Bleu à J1. 2. Et ferme 3. Ferme 2 et 3. Ferme 2. Un, deux, trois, ouvre. Allez, s'il vous plaît. Oh oui, magnifique. Ok. Ah, ça n'a pas fait bouger le relais de la pièce centrale. Quelque chose a dû changer quand même. Sortons d'ici pour voir. Ça ne réagit plus. Ça ne réagit plus. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, ça a fait apparaître une plateforme. Ok. Bon, ben on va aller voir ce que ça donne. Hein. Monter sur ces plateformes pour arriver au bon relais. Aïe. Non, sérieusement? Oh. Ouais, si. On va les affronter. On veut améliorer notre... nos orions.
Et nous-mêmes, hein, si on peut prendre quelques niveaux au passage. Ok. Oh là ça... Ah, même comme ça, j'ai frappé plutôt fort. Hein. Au naturel. On va faire ça. On va faire ça aussi. Ok. On va passer par là, par au-dessus là. Ah. Eh les gars là. Ok. Ah, on a pris un niveau. Allez, toi tu y es passé. À toi maintenant. Ah là, on avait bien enchaîné les heures. Dommage. Voilà. Allez, on récupère nos AP. Aussi un petit peu de vie. Ah, notre Orion a pris deux niveaux, c'est bien. C'est plutôt pas mal, on fait 790 de thunes, ça aussi c'est bien. Si on pouvait se trouver un petit marchand, ça serait top. Oui, on va revenir se battre ici, évidemment. On va continuer à faire marcher l'Orion. Hein. Ah ouais, comme ça. On a plus d'AP, sérieusement? Ok, alors on va faire ça. Voilà. Aïe aïe aïe. On va faire ça. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Allez. Ah mince. Hop, comme ça. Voilà. Encore? Non, c'est bon. Voilà, petite victoire de Bibi. Ouais, notre Orion encore pris de niveau, c'est bien. On se rapproche tout doucement du niveau 20. On peut avancer par là, oui. On va partir en explo. Shakai Kizimane. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? Enzo regarde. Oh, encore des trucs comme ça. Le système semble s'être activé. Le second interrupteur aussi. Interagissez avec l'autre interrupteur. D'accord. Attends un peu. Les anciens griots semblent nous dire quelque chose à travers la Kali. Suivez toujours la différence. Tu as une idée de ce que ça veut dire? Ça va sûrement être rapport avec les socles.
On y va, oui. Ah, faut trouver le bon là. Ok. Ça ne réagit pas. Ne rien faire. C'est perdu. Ok. Oui. C'est le bleu qu'on trouve, hein. Donc là, on va activer ça. Et là. Ok, il est là-bas. Ici, là. C'est victoire, là. Yeah, c'est le bon. L'Umoja semble se charger, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore le refaire. Ok. Ici. Alors, une fois de plus. Là-bas au fond. Yes, GG. On y est presque. Encore ? Décidément. Allez. Il est retourné là-bas. C'est bon. Cool. Un des piliers s'est allumé. L'Umoja de la salle principale a tout ce qu'il lui faut de ce côté-ci. Ok, continuons notre route. En rentrée dans la pièce principale. Bien, on va y aller. Hein. Des méchants. Ok, on va y aller. Essayer de prendre un peu de niveau. Ah ouais. Oh là, oh là. Ah, comme ça, s'il vous plaît. On en a eu deux déjà, c'est très bien. Ouais, tant qu'il est en aérien. Voilà, et ça là. On va faire ça aussi. Voilà, toi c'est fait. Toi aussi. On est bon. La zone nettoyée. On a gagné racine de gingembre, deux niveaux pour notre Orion. Oh, beaucoup de Yota, hein, 1040. On prend bien évidemment, hein. Allez, on avance. Alors, vous allez dire retourner dans la salle principale. Effectivement. C'est un ancien. Ok. Donc là, ça a ouvert. Très bien.
Là, non. Hein. Donc, on va partir de l'autre côté. Je pense que l'autre côté, ça sera du pur fight. Parce que d'un côté, c'était esprit et l'autre, courage. Alors, donc. Hop. Qu'est-ce qu'on a la carte. Donc jusqu'ici, ça on avait, ouais, on avait fait hein, tout ça. Tout ça, ça a été fait. Bon, bah il nous reste plus que ces deux petites zones là. Hein. Ok, c'est hyper. J'aperçois des relais inactifs au fond de la pièce. Battez ses ennemis. Ok. Allez, ici, on remet le couvert. Ah. Sérieusement? Allez, on va faire ça. Hop, ça c'est fait. Là on est bon. Notre orion encore plus de niveau. Si on essaye un truc comme ça. Ça et ça, ça fait vengeance. Non, tu retires ça, ouais. On va partir en vengeance. Ok. On est en mode vengeance. Ce cas là si on fait hop comme ça, ça fait vengeance, vengeance. Non, ça fait rien ça. Bon, tant pis. Ce qu'on va faire, hop, il nous faut ça, on va passer comme ça, voilà, ça ça a dégusté. Aïe, là on a dérouillé quand même. Ouais, le feu c'est quand même mieux contre...
ça? S'il te plaît, quand même, respecte-moi. Oh là, là on prend cher là, hein. Ah, sérieusement, à claquer un truc comme ça sur des sbires. Ah non. Bon, on est passé niveau 20, c'est déjà ça. Nous aurions prenne un petit peu. Ah, on n'a pas gagné d'argent par contre. Inventaire. Son nutrition. La stamina. Pour toi, évidemment. Ça te fait plus un. Je sais pas à quoi ça correspond, ces trucs. Le gourmet, ok. Il en reste encore un. Bon. On va y aller avec le feu. Hein. On voit que ça marche bien. Comme ça, on se débrouille bien. Voilà. On va faire ça. Sans Yota. Ça c'est cool. Des néogumes ici comme la bataille d'Issao, mais ils semblent plus résistants que les néoris. Non, plus résistants. Le néori générerait-il des monstres exactement comme dans les mines de Boaké? Bon, en tout cas, ça m'a ouvert la porte. Ils sont des relais, mais ils sont incomplets. Ah, très bien. C'est lugubre ici. Il y a une lueur au bout de la pièce. C'est la source d'un des interrupteurs. Allons l'activer. Bien sûr, allons l'activer. Un instant, Erin. Oh. Ah, ça sent le boss. C'est quoi ce monstre? Sans doute le gardien de la source. Prépare-toi. Hop, on va faire ça. Hop, on va mettre en pause. Et c'est là qu'on va s'arrêter. La vidéo fait déjà pratiquement une demi-heure. Donc c'est parfait, on fera le boss dans la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voire à vous abonner à la chaîne si vous en aimez le contenu. N'hésitez pas non plus dans ce cas à activer la cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Et bien évidemment, n'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.